Mais Ram, tu fais quoi là? Bah, je regarde ma tablette, tu m'ennuies. Regarde, viens, on va en bas, dégustation de produits espagnols. Yes! C'est du rameau d'espagnol? Ah si, je sais dire hola muchachos. Hey! Le gros carton est arrivé. Les Espagnols, me décevez pas, s'il vous plaît, me décevez pas. Déjà, on a un premier carton. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Je vais vous montrer ça. On a des tablettes de chocolat Nesquik. Comment ça, ils ont eux et nous, on n'a pas? Ça se fait pas. Oh, on a des donuts au chocolat blanc. On a des princes qui n'existent pas en France et des princes mous. Miram, elle va péter un câble. On a des petits gâteaux encore chocolat blanc. On a tablettes de chocolat. Putain, leurs tablettes, ils ont l'air incroyables. Encore des autres gâteaux. Oh, fourrés au chocolat au lait. On a des cinnamon. Ça a l'air d'être une dinguerie. Ah oui, je voulais goûter aussi leur gâteau. Genre équilibré. On va voir si c'est bon. Deuxième carton, les frais. Il y a des bouteilles d'eau spéciales du Real. S'il y en a qui aiment bien le Real Madrid, qu'ils ont fracassé le PSG, c'est ça leur bouteille d'eau. On va les tester. On a. Ah, ils vendent des petites boxes de riz. Et on a du Nesquik. Mais écoutez bien le Nesquik, 0% de sucre. On a super faim et on est super pressé de tester les produits espagnols. J'ai été 3 fois en Espagne. Toi, t'as été 2 fois. Franchement, la bouffe, je vous dis la vérité, elle est. Pas incroyable, mais elle est pas dégueulasse non plus. Wesh, c'était en 2008 ça. Wesh, la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va tranquille. Aujourd'hui, je suis avec Issa, Younes. C'est quoi ton prénom? Wow, c'est stylé. On va commencer par le Nesquik. 0% de sucre. On est Comment bien on va d'accord? faire pour goûter? On est bien d'accord que le sucre, c'est ce qui fait grossir quand on mange trop. Et là, il y a 0%. Tous nos problèmes sont résolus. Mais dedans, c'est des produits chimiques, donc pas tous les jours, les gars, ok? Pas tous les jours. On va tester si le 0% de sucre. Toi, t'en manges tous les jours du Nesquik? Non, jamais. Pourquoi tu mens le matin avec tes princes? Non, le matin, je prends du lait tout seul. Ah ouais? Bah oui. C'est vrai. Ok. On met une cuillère de Nesquik. Vu que c'est zéro sucre, on met une deuxième cuillère de Nesquik. Et là, on va bien c'est mélanger. Vraiment gourmand, toi. Ah, c'est normal, c'est des Espagnols. Et il en reste encore sur la cuillère. Bon, on va goûter, c'est bien. Vas-y, moi. C'est de la brique, wesh. Vas-y, on goûte. C'est quoi ce truc? Ça se dissout même pas. C'est super bon. Ça a le goût du Nesquik, je vous promets, c'est sucré. Alors qu'il y a 0% de sucre. Qu'est-ce que t'en penses? Toi, c'est dégueulasse. Elle aime pas. T'as le droit, elle a le droit. Ça va, ça passe. Ah, c'est pour ça qu'il y a 0%, toi, tu tiens 0%. On va goûter ça, les frères. Un cookie fourré au chocolat blanc. Les Espagnols, vous avez vraiment de la chance. C'est pas de la crème? Ouais, ou de la crème, je sais pas, on va regarder. Oh, mais c'est tout petit. On en prend pour deux. C'est des tout petits gâteaux. Tout minuscules gâteaux. Moi, je trempe dedans. Bismillah. La crème, c'est pas ouf, mais. Comment ça, c'est pas ouf? Qu'est-ce que tu racontes? La crème. Qu'est-ce que tu racontes? C'est un doliprane que tu es en train de manger, c'est un gâteau. C'est hyper bon. Trempe dedans, tu vas voir. Un goût de vanille, un goût d'Espagne. What? Qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui? C'est trop bon! Tu dis que c'était bon? Ça, les gars, c'est validé à 1000%. Ça, on goûte ça. C'est validé à 1000%. Ouais, je dis ça. Après, viens, on goûte les bons trucs déjà. On continue. Non. Dans le délire des Nesquik, allez. Tablette de chocolat Nesquik. Je sais pas si ça existe en France, mais en tout cas, j'en ai jamais vu. Moi non plus. Alors de. Oh, ah si, on l'a déjà vu en France. Dedans, il y a du chocolat blanc, regardez. Franchement, un bout. Hello, comment est-ce que tu peux pas dire que c'est pas bon. C'est incroyable. Trop bon. C'est magnifique. Je vous la remets si vous avez l'occasion de la trouver. Waouh! Enfin, les Espagnols, ils font de la bonne graille. Même si c'est que du sucre, enfin. Attends, je reviens chercher un gobelet pour pouvoir prendre de l'eau. Vas-y. Moi, je vais enchaîner avec ça pour l'instant. Attends-moi! Je te surveille. Je leur montre juste comment c'est une toute petite barre. Tiens. Yeah. Ah, c'est une gaufre! Une gaufre au chocolat blanc, les gars. On va la tester. Décidément aujourd'hui, les Espagnols, vous avez décidé de me mettre super bien.
Elle est incroyable, la gaufre. Est-ce que tu recommandes? C'est incroyable. Goûte. Sur 10. Dans le sucre, moi après, je sais vrai que je suis pas compliqué dans le sucre. Tu me donnes un truc sucré, j'aime bien. Vas-y, il y a trop de trucs bons. On va tester un truc risqué. Moi, quand j'allais à la salle de sport en Espagne, tout le monde était super musclé. Et il disait qu'il mangeait super équilibré. Donc là-bas, il y a des gâteaux bio, des cookies bio, censés être pour les sportifs. Regardez ça. Toi, t'es pas trop sportif. Moi, je suis pas trop sportif. T'as le droit de le dire. Hein. C'est des mini cookies, des tout petits mini cookies. Tiens. Moi, je suis mahalé, je le trempe derrière. On a eu la même idée. Un petit saut à la piscine. Faut être noyé là. J'en ai marre, même ça c'est bon, wesh. Même ça c'est ultra bon. Je vais regarder si c'est de la douille ou pas. Un cookie, c'est 50 calories. Mmh. En vrai, ça va. Si t'en manges que un, mais t'es mal cookie, comment il est tout petit. Qui va en manger un? T'en manges au moins 5 ou 6. Et ça fait 200-300 calories. D'ailleurs, j'en mange un deuxième parce que c'est ultra bon dans le Nesquik là. Ça, c'est les tablettes de chocolat de l'Espagne. Leur marque, c'est Westro Chocolatche. Chocolatche, c'est-à-dire chocolat au... Chocolat. Leche, ça ressemble à quoi? Leche. Lait. Voilà, chocolat au lait. Prochain aliment. Donc, c'est une barre comme ça. Hey Younes, pour le prochain aliment, moi je goûte les yeux fermés et je devine qu'est-ce que c'est. Ok, je prends quand même. Moi je prends quoi? C'est trop. Bon, là, j'abuse pas. Hein. Je suis avec Myriam. C'est trop bon. Je peux pas mentir. Je peux pas dire que c'est dégueulasse, c'est trop bon. On peut pas mentir les gars, on peut pas mentir, désolé. Allez, le prochain aliment, je ferme les yeux. Non mais là t'es obligé d'ouvrir les yeux parce que tous les matins elle mange ça et regarde ce que je t'ai trouvé. Non. Je ferme les yeux comme ça, je goûte. Ah la vidéo elle a coupé. Mince, attends, je vais remettre la vidéo. Ouais, je vais te croire, ouais. J'ai le seum. En mode c'est ça, regardez. Elle mange ça, mais ça existe pas en France. Ah, regardez. Waouh. Attends, enlève ta grosse main là. Regardez. Ils sont... Oh! Attends, j'arrive. Regardez, c'est mou, genre. Incroyable. Tiens. Moi, je trempe. Et les autres? C'est une dégustation espagnole petit déjeuner. Attends. Les autres, tu peux tremper. Là, ça, c'est... Non, je parle pas. Là, c'est un gâteau moelleux. C'est un gâteau moelleux que tu manges tous les matins. Je mange tous les matins, c'est des princes. Ouais, des princes, mais regarde les princes, comment ils sont. Alors toi, t'en penses quoi du coup? C'est bon, ça passe. Moi, je trouve que c'est sec, les reilles. Ici, là, ça, c'est un peu sec, faut bien le tremper. Mais en tout cas, ça, le matin, je vais te laisser, tu vas te régaler, non? C'est bon, petit prince. Ok, là tu fermes les yeux, je vais te faire bouger. Non, moi j'ai envie d'ouvrir les yeux. J'ai envie d'apprécier la vie, le bonheur. Ok, moi je vais te dire, je vais en plus, c'est la dernière chose qu'on doit goûter. Non, ça, non, non, après il y aura ça. Hein. Ah oui, l'eau. Moi je dois deviner qu'est-ce que c'est. Attends, on va essayer de la faire prononcer. Mmh. Regarde comment ça s'écrit et t'essayes de dire comment ça se dit. Ça, le gros truc là. Mais ouvre tes yeux, en douille. Mais non, je veux. Mais laisse tomber la débilité de cette petite fille. T'es en train de lire les yeux fermés. Waouh, là je peux plus là. Aidez-moi s'il vous plaît. Vas-y, lis les yeux ouverts là. Ensemada. Ensemada. Bah voilà, t'étais vraiment comme ça en train d'essayer de lire. Non. C'est mais là fou, je vais devoir. C'est une sorte de pain en raisin sucré. Tiens, à tremper. Oh, mais quel bonheur. Bismillah. Exactement quand on était avec Sofiane Ramdan et Yacine en Espagne, ce qu'il y avait. C'est éclaté au sol. Il n'y a aucun intérêt. Ça, c'est moins cher. Pour être sûr. C'est une brioche nature. Non, c'est moi, j'aime pas, perso. Genre, ils auront dû fourrer avec du chocolat dedans. 2 sur 10. 2 sur 10, ouais. Mais fini quand même. Hein. Tadam, les donuts au chocolat blanc. Putain, la chance qu'ils ont. Ils ont des trucs de malade mental, frère. Comme ça. Tu vas au supermarché, tu fais une crise d'épilepsie. Tu sais pas quoi prendre. Mais c'est tout minuscule. Wesh. Je t'attendais à quoi? On goûte sans ça? Ouais. Ah, quand même, c'est très grave. Ça coûte 1€ au magasin. 1€. C'est pas ouf. Ça passe. Personnellement, c'est bon, mais c'est pas un truc de ouf. Ça passe, quoi. On a du riz, là, t'as vu?
Mais vas-y, j'ai pas envie de manger du riz. C'est pas le régime, c'est bon. C'est pour la vidéo. Pour la vidéo. Sans gluten, tout ça. Pour la vidéo. Ouais, pour la vidéo, t'inquiète, pour la vidéo, t'inquiète. Là, on a de l'eau. Ceux qui boivent de l'eau tous les jours savent que toutes les eaux n'ont pas le même goût. Cette eau-là, Sofiane, il la kiffe parce que lui, il kiffe le Real Madrid. Et le Real Madrid, ils sont sponsors avec cette eau-là. Là. Franchement, moi, je kiffe cette eau parce que je la connais déjà. Oui, on va laisser Myriam goûter. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est comme les autres eaux. C'est comme les autres eaux, là. Tu vois, c'est vrai, c'est de l'eau normale, mais bon. Je trouve que la boîte, elle est stylée. Maintenant, on va goûter ça. Ouais, le riz, faut le cuire. Vas-y, smahelé, la flemme. Non! Tu commences à te remettre. Écoute-moi, c'est moi le patron de cette chaîne. T'as compris? C'est moi le boss. Non. J'ai dit, on mange pas de riz, on mange pas de riz. Et si je veux, je fais ça, tu disparais. C'est moi le patron, frère. Réapparaît. Et alors? Ok, désolé. Je vais manger toute seule alors. Voilà, famille, on arrive à la fin. La dégustation espagnole, je laisse Myriam dire son avis. Franchement, moi, il y a des trucs qui étaient super bons. Et les trucs, ça, c'était pas. Moi, pour l'instant, c'est ma meilleure dégustation. Après, il n'y avait que du sucre. Du coup, je suis super content. Ils ont des bons trucs pour l'école. Le truc qui m'a vraiment surpris, c'est ça. Personnellement, la petite gaufre au chocolat blanc. Bon, bah, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous. Ciao, ciao. Elle a oublié un donut, là. On vient faire la croix.